Hey, salut à toutes et à tous, Sixlade, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Écoutez, pour ma part, ça me rend super bien les amis. Écoutez, aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo commentée sur la chaîne de l'Alliance Clan FR. Et oui les amis, ça faisait déjà un petit moment que je n'avais plus commenté sur cette chaîne de Team Performance. Donc ça fait vraiment super plaisir de reprendre le mic, quoi, voilà. Toi-même tu sais, tu connais mes bails, ici la Maïfa. Enfin bref les amis, aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo voilà, qui j'espère vous fera plaisir comme d'habitude, avec un petit sujet assez particulier. Mais avant toute chose, avant de vous présenter le sujet de vidéo, je veux un peu vous présenter le gameplay qui lui se déroule sur Call of Duty Advanced Warfare en mêlée générale, voilà. Et ça va tout simplement être une double DNA à la SM1 sur la map Solar, comme je vous dis, d'Advanced Warfare les amis. Alors vous allez me dire, ouais mais X-Raid, comment il a pu faire une double DNA en mêlée générale? C'est tout simplement... Alors je vais vous expliquer très vite la technique. Il a donc réalisé une série de 29 kills donc avec la SM1. Bon voilà, forcément il y avait des plots en face, qu'on se le dise, parce que voilà, déjà une double DNA, elle a, une double DNA en domination ou même en MME, voilà, c'est chaud quoi. Mais lui, ce mec, c'est un fou de la street quoi. Lui il sort sans un mêlée général. Enfin bref, voilà, donc il a sorti une série de 29, voilà, il avait mis détermination, donc il a débloqué la DNA. Il a ensuite quitté et il a ensuite re-rejoint la partie, voilà, grâce à un mec qu'il avait rencontré, donc voilà, dans joueur récent. Enfin bref, il a rejoint et il a ressorti une DNA. Cette performance est vraiment énorme, franchement j'adore commenter ce type de DNA. Une double DNA comme ça, franchement, ça a vraiment du mérite. Et je tenais vraiment à dire un gros GG. Enfin bref les amis, écoutez, aujourd'hui on va vous parler, je vais vous parler plutôt d'un sujet assez particulier. YouTube propose des vidéos à 360 degrés. Donc je vais tout vous expliquer sur cette vidéo. Elle sera envoyée à un certain nombre de chaînes communautaires pour toucher un plus grand public. Et pourquoi pas nous faire connaître au niveau de l'Alliance Clan FR. Et pourquoi pas également voilà, regagner nos 1000 abonnés qu'on avait. Ça nous ferait vraiment super plaisir. Enfin bref, je commence tout de suite, le sujet de vidéo. Donc YouTube vient d'ajouter une possibilité depuis le 13 mars 2015, celle de prendre en charge les vidéos à 360 degrés dites sphériques. Voilà, une immersion totale et un rendu plutôt convaincant. Donc après le support de la 4K, YouTube prouve une nouvelle fois que la plateforme est à l'écoute permanente de l'évolution du marché en proposant de prendre en charge les vidéos à 360 degrés. Donc en effet, les premiers modèles de caméras capables de réaliser des films panoramiques ont vu le jour il y a peu de temps. C'est notamment le cas de la Gyroptic 360 cam. Donc voilà, elle s'affiche maintenant. Elle est assez petite et voilà, donc elle filme en 360 degrés, voilà. La nouvelle fonctionnalité est encore en cours de finalisation et que le contenu et à l'heure actuelle encore très faible. L'initiative est louable. Donc voilà, notez que ce service peut également prendre une dimension supplémentaire avec l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle, un accessoire qui pourrait prochainement se démocratiser. Donc pour visionner la nouvelle, la nouveauté de YouTube, pardon, vous avez deux solutions seulement. La première et la plus impressionnante est de passer par l'application YouTube pour Android, voilà. Donc c'est assez simple, voilà, il vous suffit alors de déplacer votre smartphone dans tous les sens pour découvrir la vidéo panoramique, immersion complète. Donc notez que la version iOS devrait débarquer prochainement. Donc l'autre solution est de passer par le navigateur Chrome, voilà, et de scroller sur la vidéo pour la voir défiler, voilà. Donc les deux seules solutions, je répète, donc passer par l'application YouTube pour Android, ou donc là au passage, première DNA débloquée, il va donc s'empresser de rejoindre l'app game. Donc oui, je disais, donc la deuxième solution, c'est tout simplement de
passer par le navigateur Chrome et de scroller sur la vidéo pour la voir défiler. Donc voilà, voici la marche à suivre si vous aussi, vous voulez vous lancer dans l'aventure et épater vos amis, vos collègues et votre famille avec des images promises à un bel avenir. Le but, faire en sorte que YouTube la reconnaisse comme une vidéo sphérique dans laquelle il sera possible de se déplacer. Donc soit avec la souris, soit directement en déplaçant votre smartphone. Donc nous y reviendrons plus tard. Si vous ratez votre coup, votre jolie photo sera non seulement désespérément plate et fixe, mais également totalement déformée. Si vous réussissiez, en revanche, vous pourrez obtenir un contenu de qualité. Cela vous donne envie, tant mieux. Alors sans plus attendre, jetons-nous dans l'aventure. Et donc voilà, ça peut... Voilà, je vous mets un exemple de vidéo qui a été faite grâce à ce type de caméra. Et ça rend vraiment super bien, vous pouvez voir, franchement, c'est vraiment une grande possibilité, une grande avancée que YouTube a fait. Ça fait vraiment super plaisir de pouvoir faire des vidéos sphériques. Voilà, je vous dis, franchement, ça peut donner quelque chose. Enfin, bref, les amis, j'espère vraiment que ce sujet vous aura fait plaisir, également l'ADN, ainsi que mon commentaire. Et si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Ça nous ferait vraiment super plaisir à partager la vidéo si elle vous a plu. Voilà, peut-être que ça intéresserait plusieurs autres personnes. Enfin bref, les amis, je vous dis, prenez soin de vous, à la prochaine. N'hésitez vraiment pas, comme je vous ai dit, à aller voir la chaîne de Wazi qui sera bien évidemment dans la description. Également la mienne, si mon commentaire vous aura fait plaisir. Alors les amis, je vous dis, prenez soin de vous, à la prochaine. Allez, ciao, bye. Peace.